Bonjour, très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 27 mars, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Trouve le calme dans ma présence, même si d'innombrables choses réclament ton attention. Rien n'est plus important que de passer du temps avec moi. Lorsque tu attends simplement dans ma présence, j'accomplis mon œuvre parfaite en toi. Je te transforme par le renouvellement de l'intelligence. Si tu te prives de ce temps avec moi, tu plonges tête baissée dans les mauvaises priorités et tu passeras à côté des richesses que j'ai prévues pour toi aujourd'hui. Ne me recherche pas d'abord pour ce que j'ai à t'offrir. Souviens-toi que moi, celui qui te donne tout, je suis infiniment plus grand que tous les dons que je peux te communiquer. Même si je prends plaisir à bénir mes enfants, je suis profondément attristé lorsque mes bénédictions deviennent des idoles dans leur cœur. Tout et n'importe quoi peut devenir une idole à partir du moment où celle-là te distrait de ton premier amour. Lorsque c'est moi qui suis le désir suprême de ton cœur, tu es protégé du piège de l'idolâtrie. Quand tu t'assieds dans ma présence, jouis du plus grand don que je suis. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, verset 2, du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, et l'épître de saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27. Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte-Marie, la radio de l'espérance chrétienne. Thank you.